aux États-Unis. Trump a organisé un rassemblement dans le quartier South Bronx pendant que l'a essayé de convaincre un électorat minoritaire quelques jours avant que un jury dans Manhattan prêt à commencer à faire délibération sur le cas criminel ça, qui t'a dû condamner sous accusation que t'a fait fraude et puis payer l'argent pour faire même bouche vedette film porno à Stormy Daniels que t'a gagné relation sexuelle ensemble avec lui. Donald Trump t'est parlé avec plusieurs milliers de supporters dans Cortona Park, une place publique dans un quartier qui principalement habité par Panyol et Moun Noir dans South Bronx. Un quartier qui parmi ville qui plus diverse et plus pauvre, ça qui très différent de campagne que Donald Trump habitué fait yo dans zone en majorité. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur la pour une nouvelle vidéo. Côté nous entrer la caillou avec édition La Voix de l'Amérique ça jodi a là mais quelque autre grand pour cap dominer actualité à Académie Pierre Michel Chéri mouri jeudi samedi 25 mai 2024 là rete branché pour reste détail yo dans dossier 4 monde qui arrêté des anciens policiers et bien update yo même qui fait dans situation si là soldat kenyan yo même yo ta arrivé en Haïti dans 3 semaines selon William Ruto qui c'est président pays ça lui même li fait déclaration ça nan yon émission spéciale laquelle t'a baillé dossier force mission multinationale. Plusieurs utilisateurs qui gen compte yo nan USCIS pa gen accès avec aucun data nan moment n'a parlé là bien si tout moun Biden yo gen gros ke sauté sous dossier si la. Yon l'autre femme accusé rapé Didi de agression sexuelle nan année 1990 yo rete branché pour détail des antimoun nan l'ouest avec la Tibonite pas capable à l'école à cause des dossiers insécurité. Pour ça avec plusieurs l'autre nouveau pour une édition nouvelle ça mais avant même notre dans ça comme domine actualité à pas oublier si pour la première fois tomber sur channel là tout abonnez-vous avec channel là et activez la cloche de notification pour la mettre sur toute pour pas rater aucun prochain vidéo n'a pour nous poster sur channel si la pas oublier quitter un like sur vidéo partager vidéo à toi avec vos amis vos familles une façon pour aider nous grandir communauté channel ça mais nous pas perdre trop de temps nous invitons vous à aller chez vous côté nous pour informer avec édition La Voix de l'Amérique là et puis devant n'a venir à crèche détail pour il était blanc côté que le fait pifon rassemblement lio ancien président et l'ouvri campagne rassemblement ça dans zone là avec un éloge pour ville Natalia. Il t'est parlé de façon que le t'est commencé par en bas échelle là comme un petit commerçant hollandais avant que le t'est vienne tourner un gros businessman capitaliste qui t'est vienne très célèbre et qui t'est inspiré le monde. N'a pas rappelé que Donald Trump t'est fait dans ville New York là et t'est établi résidence là dans état Floride là dans année 2019. Hello New York City and hello to all of the incredible, tough, strong, hard-working American patriots right here in the Bronx. Bonjour ville New York et puis bonjour à tout patriote américain incroyable qui fort et puis cap travail dit ici là dans Bronx et puis moi là souhaite pour me déclarer que nous pral virer ville New York là et nous pral virer très très vite. We're going to bring nous pral porter sécurité tourner dans la rue nous. Nous pral porter succès tourner dans l'école nous. Nous pral porter prospérité dans chaque quartier nous. Dans chaque municipalité dans plus gros ville dans pays a, dans plus gros ville dans pays a qui c'est New York. But sadly, this is now mais malheureusement Kounia c'est une ville qui en baisse. We have mobs of migrants fighting et puis nous gagnons une foule immigrants cap goumen avec officier police nous. Mais nous pas pral quitter ça à continuer. Nous pas prêt à abandonner espoir nous avec fierté nous. Ville ça ba nous en pile et puis qu'on y a le temps, il l'heure pour nous remettre ville là ça li ba nous déjà. Ensemble nous pral faire ville New York là, ville une gros ville encore et en même temps tout nous pral faire America retourner une grande nation encore. Avec Donald Trump qui bloqué dans New York à cause jugement liant pendant plus passé 6 dernières semaines qui sont passées là yo. Campagne candidat républicain a été planifié faire une série arrêt local à travers ville natale ancien président avant et après tribunal là. Il était visité un bodega dans Harlem. Il était passé dans un chantier et puis il était fait photo op dans une station pompier locale. Mais rassemblement ça dans Bronx, c'est premier événement qui ouvert à public là en général parce que il insistait que l'a fait gros effort pour gagner un état qui en majorité démocrate qui pas qu'au jamais appuyé un républicain pour président depuis époque président Ronald Reagan en 1984 a pas créé un spectacle rassemblement moun. Avantage qui ka gagné sous problème économique à problème immigration yo. Si toutefois électeur New York yo ta kabali vote yo nan un état clé pour démocrate yo qui c'est ville New York là pour VOA Creole Valerio Saint-Louis New York. C'est comme ça,
Kenya te choisi pour te accepter mission SILA. Nous avons l'autre forme assistance dans le domaine technique, renseignement, équipement avec logistique pour aider Kenya à remplir mission hein, ensemble avec l'autre pays qui a participé dans la mission sécurité. Donc, moi bien content que le président Ruto accepte prendre tête mission force multinationale. Sous ma parole, le président Kenya, William Ruto, qui a répondu à une question au journaliste pays, qui a demandé qui intérêt que lui-même a gagné pour aider à sécuriser Haïti, un pays bien loin avec le continent africain, alors que même problème qui gagne en Haïti a existé dans le pays Kenya. Kenya believes that the responsibility of peace and security anywhere in the world, including in Haiti. Eh bien, président Ruto te répond, n'importe côté dans le monde, là, tant qu'Haïti, c'est une responsabilité collective, tout pays, tout le monde qui croit dans la liberté, la démocratie et la justice pour aider un pays qui en a besoin. Et Haïti n'a pas fait exception. Puis loin, M. Ruto, rejeté parole qu'a parlé comme quoi c'est les États-Unis qui impliquent Kenya dans la mission en Haïti. We don't find that the US is committing Kenya. En tout cas, M. Ruto dit, États-Unis pas capable d'engager Kenya. Moi, c'est président Kenya. C'est moi-même qui prends responsabilité ensemble avec la population pour nous déployer force police là. Nous avons approbation parlement pays nous. Donc, c'est raison qui fait Kenya prend responsabilité pour lui diriger mission à cause nous quoi dans sécurité avec stabilité. Instabilité avec et insécurité d'un côté, c'est instabilité avec insécurité tout côté, d'après chef l'État Kenya William Ruto. We are going to take up that responsibility alongside the Haiti police, and we have clear modus operandi. Concernant activité gang armée dans le pays, eh bien, M. Ruto a déclaré gang avec criminel pas gain nationalité, yo pas gain religion, yo pas gain yon langage. Donc, c'est confronté yo d'après la loi. C'est raison qui fait nous former une coalition en plus de États-Unis avec Kenya pour nous sécuriser le pays, pour nous casser fait criminel yo avec gang yo qui la souffrance dans la population. Alors, c'était conférence de presse entre président Joe Biden avec président Kenya et William Ruto qui t'a fait une visite d'État aux États-Unis. Pendant 4 jours, on a dit tout, il y a un groupe militant haïtien qui était sorti de New York, comme Okoda, et qui a même été venu manifester, alors, pour une manifestation 3 temps. Il y a une devant Maison Blanche, il y a une autre devant ambassade Kenya, toujours dans Washington, et troisième, il y a fait devant ambassade d'Haïtia dans Washington. Justement pour protester contre la présence troupe Kenya dans le pays d'Haïti. Nous avons traversé, nous parlons dans l'autre nouvelle, porte-parole d'une organisation politique proche ancien pouvoir dit, il est d'accord avec la déclaration du président kenyan William Ruto fait pour dire que la force sécurité internationale pour démantibiler Gang Ameyo Renan Toussaint. Déclaration président pays Kenya William Ruto pendant visite aux États-Unis, précisément Washington DC. Déclaration à savoir, mission multinationale soutien à sécurité en Haïti a bien crasé foyer gang yo. Joint support, Maître André Michel, qui se porte-parole, secteur démocratique et populaire. Moi, d'accord avec président Ruto, force internationale là, mission force internationale là, c'est venir aider la police craser gang. Et moi, féliciter déclaration ça, qui pas quitté aucune confusion. Parce que nous-mêmes dans SDP, nous deal déjà. Pas de rien ou capable de faire avec gang, pas de négociation avec gang, pas de amnistie pour gang. Puis le problème pays a gagné aujourd'hui, c'est le problème gang, c'est le problème insécurité. Et nous sommes d'accord à 100% avec la déclaration du président Ruto, c'est une déclaration d'homme d'État. Et c'est notre position. Et nous pas quitter aucun monde, aucun manœuvrier politique à le passer en battable pour aller en négociation avec gang pour bay gang amnistie. En tout cas, premier contingent yon groupe policier kenyan te doué rivé en Haïti fin mois mai 2024 là. À cause conditions logistiques yo poko fin réuni, y a tant mois juin pendant que préparatif en termes infrastructure pour accueillir soldats différents pays qui fait partie
force là avance sérieusement. Où est Toussaint? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Toujours en Haïti, Conseil présidentiel transition a fait deux rencontres jeudi 23 mai pour discuter modalité yo avec déploiement force sécurité étrangère dans pays Cap du Kenya dans tête mission ça mission sécurité Yves Manuel. Pendant que Conseil présidentiel là pour grand public mode fonctionnement transition malgré une résolution qui instaurait une présidence tournante avec une majorité 5-7, yon conseil ministre réalisé jeudi à l'extraordinaire pour fixer modalité yo. Objectif lan clair, réaliser yon transition nan transparence et planifier avec un pile rigueur projet yo au profit population haïtienne nan. C'est en tout cas ça nous capable li nan yon communiqué la présidence publié sur page Facebook officielle li. N'ap souligner décision sa yo qui prend pendant conseil ministre lan gen pouwè particulièrement sur présidence tournant lan qui a joué entre Edgar Leblanc fils, Smith Augustin, Leslie Voltaire et Louis Gérald Gilles. Dans ça qui concernait processus désignation prochain premier ministre transition, conseil présidentiel là pas fourni trop information sur avancé processus là. Cependant, quelques sources nous capables faire confiance fait qu'on est sur 68 dossiers conseillers présidentiels yo kembe, gain environ 5 là-dedans yo qui ta kembe après étude en profondeur qui fait sous dossier yo. C'est docteur Gary Conny qui désigné par un ingénieur Fritz Belizer, petite Dessaline désigné, docteur Paul Antoine Bien-Aimé, Alex Didier Fizeme, secteur privé affaires avec Gérald Germain. Selon conseiller présidentiel Smith Augustin, d'ici week-end ça même, population haïtienne ta doit connait qui est qu'a vinn premier ministre transition officiellement. Parallèlement, Conseil présidentiel transition a rencontré jeudi 23 mai délégation kenyane qui en visite dans pays d'Haïti. Préparation mise en place déploiement mission multinationale sécurité et soutien té nan mitan discussion yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis week-end ça c'est un long week-end aux États-Unis, c'est pour America marqué fête jour du souvenir là, c'est plusieurs dizaines de millions d'Américains qui ont fait déplacement sorti un côté pour aller dans l'autre. Sandra Lemaire a penché sur question ça pour nous. Autoroute ak aéroport États-Unis yo pral chargé couzeuse wa pendant week-end nan, nan moment américain a met dehors pour célébrer fête nationale qui relé Memorial Day, jour du souvenir. C'est jour côté américain songé tout militaire qui mouri nan bataille pays a. Organisation qui relé AAA, Association Automobile Américaine, prédit c'est pas le week-end côté plus moun a voyagé dans saison été a. Yo di yo attend yo à ce que 43,8 millions moun voyager au moins 100 km entre jeudi avec lundi. C'est pi gros quantité moun yo constaté depuis 20 ans. Administration Sécurité Transport TSA lui-même dit qu'il y a 3 millions de monde qui va passer dans check sécurité aéroport vendredi. Agence Nouvelle Associated Press t'est parlé avec voyageuse Larissa Latimer qui était dans aéroport O'Hare, Chicago. Our flight was fairly reasonable because travel with my mom and so I always like to travel raisonnable parce que moi voyager avec maman donc moi toujours aimé voyager en première classe donc moi t'ai fait préparation pour saison ça 3 mois à l'avance donc moi t'ai joindre un bon vol c'est hôtel moi t'ai quoi qui était très cher au fait Latimer dit toute bagaille tête nègre. I think in the case of things that I have to travel for, I just have to make an accommodation. Moi obligé voyager, moi obligé accommoder, mais tout bagage cher, machine location yo tête nèg et puis hôtel yo tout. Voyageuse Cathy Lorco t'es plein pour prix tout. Made me use my miles. Il dit moi t'es obligé servir avec crédit voyage, moi tellement pris billet yo t'es cher. Lorco dit il était obligé plus flexible tout. It makes us travel on different days. Didi nous t'es obligé voyager différents jours. Moi très conscient de prix voyage à coûter et puis hôtel et tout. Qui donc nous t'es obligé prendre hôtel plus loin parce que ça nous t'es espéré à. Ligne aérienne américaine attend à ce qu'il a transporté une quantité record passagers pendant la saison été à américain mais dehors pas bon et pas paquet dans moment côté sondage il fait qu'on est citoyen États-Unis gain gros qu'un sauté
pour économie et puis direction pays à prendre. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, actualité a parmi vedette musicale haïtien yo avec Judon Sri depuis Miami, Floride. Jessica Assaïd, alias Dédé, qui s'est artiste solo, qui produit plusieurs musiques et fait diverses performances avec rappeur Fantôme, Orchestre Gabel, Harmonique Design et l'autre encore, décidé pour lui rejoindre groupe musical Investi Music Band comme deuxième lead vocal. Nous demandons à l'artiste là, pour qui ça, c'est Investi Music Band, c'est pas un autre jazz. Bon, moi, quoi, dans mission Investi, c'est ça Investi représenté et pour ça que n'a goumé moi c'est place moi avec collaboration ça a été une collaboration qui était planifiée comme si in the universe moi fier pour moi participer ensemble avec eux parce que moi quoi travail là son travail qui extremely amazing nous représenter jeunes artistes qui travaillent qui fait fort qui préparer eux qui dépenser l'argent pour produire belle musique belle travail pour nous so c'est pour ça investir. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Atkinson Belizer, alias Zigizag Zagalo, qui est un organisateur soirée dansante dans le pays d'Haïti, était de passage dans l'État Floride, nous témoigne des promoteurs opinionnés sur l'évolution mesdames yo, dans HM Island. Mesdames et messieurs, je prends un podium pour vous, notamment au monde comme Richel, qui commence très international. Beijing, qui commence à monsieur très intéressé, qui on voit très sensuel, qui est très, très attirante sur scène. Donc, suivi de Fatima, de Darlene Desca, de Misty Jean, de au monde comme un jeune comme Leïka Paul. Donc, on Martine Alexandre Davinito. Donc, mesdames, vous commencez à prendre place. Donc, vous dites, vous avez pouvoir tout. Nouvelle toujours sous vedette yo dans HM Island, groupe musical T-Vice nominé dans catégorie Compa Band of the Year par comité Caribbean Music Awards qui vient pour dérouler pendant été 2024 là dans New York. Nous demandons Roberto Martino avec qui sentiment il recevoir nouvelle là. Mon cher, je fier, je content et je pense que si regardez T-Vice c'est une jazz dans business là qui a plus bien joué et T-Vice c'est une jazz malgré les hauts et les balles, toujours qu'un bon ligne droite. Alors, dit que, n'a pas voyagé, nous aux Antilles, n'a pas représenté Haïti de tous côtés, n'a pas joué ici, n'a pas joué dans les barrières privées, nous affiché de tous côtés, et fait nous toujours prendre. So, je pense que le juste, il fait, et je vais juste remercier l'équipe qui nomine nous, et m'espérer, n'a bien. N'a pas signalé que dans la catégorie Compa Band of the Year, gagne 7 orchestres haïtiens, parmi nous, groupe musical Class, Zafem, New Look, Kai, Beijing à Cadillac, Vibe, Activice. Pour toute nouvelle, sous vedette yo dans HM Island, non pas, c'est Jude Onsre pour VOA Creole, Miami. Et puis, conseil municipal de Chicago a dit mois de mai, comme moi, héritage haïtien, Obed Lamy. Conseil la mairie Chicago a été voté dans le jour mercredi 22 mai, une résolution qui déclarait officiellement moi mea comme moi héritage haïtien américain. So it's been stated Haiti and Chicago has a Jean ça se décide là. Haïti et Chicago ont un lien spécial. Histoire nous marquons depuis même dans fondation ville nous. Deux jours avant passage résolution ça, magistrat ville là Brandon Johnson a organisé une réception privée dans la mairie qui a réuni plusieurs citoyens et personnalités dans la communauté haïtienne. L'événement ça a servi comme première célébration officielle mois héritage haïtien américain. Dans l'occasion ça, chef poste consulat haïtien Yuri Emmanuel a parlé comme ça. This gesture is a testament to our rich culture. Geste ça c'est témoignage qui montre comment qu'il tient langue et héritage nous vraiment riche. Et c'est une grosse reconnaissance pour la contribution de la communauté haïtien-américaine pour être dans une grosse ville. Magistrat Johnson a parlé dans le même sens, non seulement pour faire éloge de la contribution de la communauté haïtienne pour être dans Chicago, mais tout faire une promesse, un petit genre vague pour investir plus dans la communauté. Je dis à la communauté haïtienne-américaine dans Chicago, continuer à contribuer dans tout quartier, nous, dans l'école, nous, dans le gouvernement, restaurant, business et plus encore toujours. Là où choisir faire élévation famille, aller à l'école avec notre travail, impliquer dans la ville et faire qu'il tire fleurir dans le quartier, ou vraiment aider à renforcer la ville de Chicago. Je voulais faire connaître l'administration PAM prend engagement pour travailler avec vous pour renforcer l'investissement ville dans le quartier avec Mounio.
Faut nous dit adoption moi héritage haïtien américain en Chicago c'est résultat plaidoyer en pile leader ak organisation haïtien américain. Quelques haïtiens qui t'ai participé dans réception ça, tant que Venita Higgins qui habitait dans Chicago depuis plus passé 60 l'année, pas de cacher contentement yo parce que au senti résolution ça a aidé mettre kilti ak identité yo plus en valeur dans ville là. Mais gain une grande importance parce que bien content que Chicago reconnaît que nous-mêmes haïtiens nous prend part là-dedans parce que comme yo déjà là à Jean-Baptiste de Savoie c'est lui-même qui reconnaît qui crée Chicago et puis nous sommes pas de la pays. Obed Lamy, pouvez-vous à créole? Pas oublier dimanche ça, c'est fête des mères en fait. Nous tous pas oublier non, dimanche c'est fête maman yo. Et puis on a dit tout le monde bon week-end. Non, Jean-Marc Réa Bella. L'autre information que nous portons pour des centimètres dans l'ouest avec la Tibonite pas capable à l'école à cause de insécurité. Il y a un rapport qui sorti hier vendredi 24 mai 2024 par Bio Coordination Affaires Humanitaires. Nous parlons des Nations Unies qui gagnent dans la tête de l'OCHA. Et bien, au fait qu'on est presque 200 000 timoun yo même en Haïti pas capable prechimer l'école selon yo même situation ça li même li plus frappé timoun qui n'a Port-au-Prince avec l'autre département la Tibonite éducation presque et bien milliers timoun ça dans capitale là avec un département la Tibonite la menacé avec 900 l'école qui fermé spécialement pour dossier insécurité les même qui pas jam suspend c'est ça yo dit dans rapport ça qui mentionné à cause même situation ça et bien gagne 4000 professeurs qui obligé yo même tout pas capable à faire l'école là pourtant Ocha expliquer ça dans même moment ça yo même yo ta doué gain l'école pour former timoun yo et pour demain yo c'est ça qui fait et bien déclaration li même li joine accès pour éducation génération timoun kap vive zone violence yo et bien qui gain gros chance pour grandir sans yo même yo pas gain compétence yo ta doué gagner pour continuer ou même pour ta contribuer dans un avenir qui bon et puis pour développement social et économique pays a chiffre organisation américaine yo même yo fait quoi 85% sans réfugiés qui gagnent dans Port-au-Prince là 35 là dans eux même c'est l'école et bien ça qui veut dire en plus ça timon yo même dans camp réfugié yo et bien qui pas capable aller l'école là mais tout qui gagne quelques institutions qui pas capable recevoir élèves yo yo obligé tourner abri pour moun kap couri pour gang et bien faut que nous dit malgré tout côté négatif ça yo ministère éducation nationale avec formation professionnelle et bien te prend décision quand même pour organiser l'examen l'état yo pour élèves 9e année fondamentale secondaire 4 et bien ti moun ça yo même qui pas capable aller l'école à cause des violences là qui obligé à le composer après au fin suivre cours en ligne dans programme compensation apprentissage ministère lui-même l'était metté sous pied qui donc tout ça c'est toujours un objectif pour tenter sauver année académie 2023-2024 là dans ça responsable éducation lui-même dans pays a fait connait que yo ta déjà prend toute disposition pour organiser examen l'état yo et bien pour faire pour pas gagner trop de difficultés ta quelques communes dans département l'ouest là avec dans la Tibonite là n'a pas pour examen l'état pour classe 9e année fondamentale yo même et bien a commencé 22 pour 24 juillet 2024 pour l'école normale instituée la fête dans date cap 22 pour 26 juillet tandis que sorti 22 pour 26 juillet et bien c'est à examen centre éducation familiale et puis pour ça qui gagne pour avec baccalauréat et même l'a gagne pour le fait 5 pour 8 d'août 2024 et donc situation pas paraît bien dit tout là tout bagaille obligé changer non yon bagaille yo même y a marché dans pays d'Haïti là pas gain question de pour bagaille yo ta marché bien sinon que yo obligé à boucanter ça nous t'a dit là mon pauvre créole là konn pour zago académicien Pierre Michel Chéri mouri jeudi samedi 25 mai 2024 là Pierre Michel Chéri lui même qui c'est membre fondateur Académie Créole Haïtien qui est AKA et bien il rend dernier souffle jeudi samedi 25 mai 2024 eh bien doyen faculté linguistique là appliqué n'a parlé de FLA eh bien lui-même qui c'est Renaud Gauvin annoncé nouvelle l'amour eh bien Romassier ak nan non poste lui-même li fait sur compte Facebook li moi fait apprendre linguiste académicien Pierre Michel Chéri puis Michel qui était nous eh bien moi présenter Académie Créole Haïtien tout académicien yo fam famille condoléances n'a pas
présenté l'Académie créole haïtienne lui-même avec tout académicien qui donc lui présenté qui condoléance moi dans faculté linguistique appliquée. Et bien d'après sa numéro en faculté linguistique là lui-même lui annoncé bien Pierre Michel Chéri lui-même qui était fait dans année 1956 et bien il était non seulement membre fondateur académie tout yon linguiste qui te fait partie divers organismes ta gros réseau créoliste haïtien qui aurait les RECA avec International Organization of Creole et bien yon même li mette sous ça tout li te yon informaticien li te gagné yon maîtrise na technologie information et li te yon romancier qui donc c'est pas n'importe garçon qui tombe dans mitan maton langue en Haïti yo et bien yo te connait la sous nom Pimi chez comme yon personnage li même qui était toujours à militer pour langue créole là c'est pour ça et bien doyen Fla li même dans l'idée pour rendre li hommage déclaré Pimich offrit yon héritage littéraire conséquent pour nous et bien géré dans respect contribution personnelle li dans avancement langue créole haïtien et bien akapedi yon mamba qui rend créole là en pile service et bien c'est pour nam li même li reposer en paix. Mauvaise nouvelle là pour famille amis avec à tout créolicio et bien bon voyage Pimich. C'est diverses réactions après la mort là académicien li même li publié jeudi samedi à la souligné Pierre Michel Chéri li même lycée au plaisir livre d'accou héritier Volican qui de même te publié dans l'année 2021 Bébé Golgotha en 2008 et bien Symphonie Nagou lui même c'était en 2012 avec Pèlerin dans l'année 2015 pourquoi il est là il déjà perdu la vie malgré yo pas publié raison qui fait lui même li ta mouri. L'autre côté nous pour nous un dossier qui pour avec la police qui a arrêté des anciens policiers qui dans gang village de Dieu avec Belé et bien dans un communiqué la police nationale d'Haïti mettait dehors journée hier vendredi 24 mai 2024 là et bien il annoncé qu'il a arrêté des anciens policiers dans rue la montagne qui t'a fait partie gang 5 secondes avec un gang Belé la police mettait en bas code des anciens policiers ça eux même qui c'est bon Fritz Jean Elifet avec l'ami Raïle Toussaint alias Pavin Chip et bien comme présumé gang qui a opéré dans village de Dieu avec Belé n'a pas connait ancien policier l'ami Raïle Toussaint alias Pavin Chip et bien lui même lui joint accusation comme monde qui t'a retiré la vie en l'autre tout près commissariat marché Salomon qui chita colline zone Kafoufeye quand t'a pour bon Fritz Jean Elifet selon information et bien qui communiqué la police eux même yo t'a fait connaître qu'il impliqué dans un kidnapping yon businessman en plus volé yon machine na date qui était 10 décembre 2022 qui s'est passé à la dans zone Ricapoa dans Port-au-Prince n'a pas plu présumé coupable Bon Fritz Jean Elifet li même li te mette yon bis nan ri Magloire Amboise nan mitan la ria pou empêcher yon blende la police continue yon opération contre gang aksam yo même ki t'ap fonctionner pou kwen li la nèg sa yo nan men la police pou fini n'ap souligne yo la police voye se patil tout bay fami victime n'ap pale de démissionnaire américain avec yon haïtien ki te moun assassiné nan zak nèg aksam yo même yo fè nan lison jeudi ki te 23 mai 2024 ki sou passé à là dossier pas paraît goudi tout ancien policier les même li en bas compte et c'est pas seul ancien policier qui nèg yo mari ancien policier mari c'est avec quatre autres présumés bandits qui nèg ça même yo t'a pral joine arrestation yo dans Port-au-Prince pendant journée hier qui donc la police a arrêté yo hier vendredi à deux anciens policiers yo qui nous sont dou là et même yo même qui affilié avec base 5 secondes selon information qui joine c'était quatre yo t'es mari mais il y a deux policiers là-dedans et l'autre côté et bien on fait qui accusé rapé Didi des agressions sexuelles depuis dans l'année 1990 pour rapé que tout le monde connaît et bien reconnaître comme Didi il était dénoncé encore pour agression sexuelle fois ça et bien c'est pas une femme qui dit que eux-mêmes il était une victime abus qu'il était fait entre fin année 1990 avec un commencement année 2000 qui se passé là d'après rapport ça dans média aux États-Unis femme dans les mêmes qui était identifié tête comme April Lampos 53 l'année expliqué dans procès qu'il était déposé pendant journée hier qui se passé là dans tribunal état New York que lui même il était rencontré musicien entre l'année 1994 les lui même il était un étudiant dans une université dans ville et puis même il était commencé une relation et puis qui était très violent pendant l'année si là au 7e plainte
pour attaque sexuelle contre rappeur ça lui-même qui s'est dit depuis novembre et puis lui-même qui vini une semaine après une vidéo sécurité 2016 était paraître côté lui-même il était attaqué physiquement ancien partenaire li a parlé de Kasi Bentoula lui-même avec qui monde qui était arrivé joindre un accord financier pour résoudre accusation que lui-même il était fait sur lui pour abus sexuel que lui-même il t'a demandé. L'autre information que nous portons pour le conflit Israël, n'a pas parlé de pardon, conflit là aussi, Ukraine, ambassade des pays là aussi, en pays États-Unis, Anatoli Antonov, lui-même, l'a déclaré samedi, jeudi, à la 25 mai 2024, là, que n'a pas cité, si dans Washington, il continue à ignorer la proposition là aussi, t'es fait pour yon chita parler. Pour la paix ukrainienne, yo même yo pral perdre plus territoire parce que ça yo même yo déjà perdu déjà qui donc États-Unis t'a semblé ignorer yo chita parler pour la paix ta fait dans région et mais selon ambassadeur c'est kounya Ukraine même li pral perdre territoire parce que t'a semblé offensive yo pas posé même maintenant de signer pour avec attaque là aussi lui même la fait sous pays Ukraine yo l'autre côté dans ça qui vient pour avec soldat Kenya yo même yo t'a arrivé en Haïti dans 3 semaines encore selon William Ruto lui qui c'est président pays Kenya dans une interview spécial président kenyan le même William Ruto te baï à BBC News hier vendredi 24 mai 2024 la force police cap vinn mete la paix à lui même l'état d'arriver en Haïti dans 3 semaines encore dans l'idée pour rétablir l'ordre sur territoire national là à cause des actes violence gang qui participent augmenter depuis après la mort président Jovenel Moïse même avant tout et bien dans l'équipe planification qui était déjà sur place en Haïti et bien équipe là t'est rencontré avec la force police locale pour te faire arrangement qui nécessaire yo avant même déploiement troupes kenyan yo même yo t'a fait et bien c'est ça président William Ruto lui-même l'a confirmé dans interview ça en plus président kenyan lui-même l'a déclaré Haïti pas seulement pays qui en crise et bien qui kembe attention nous mais gagne kenyan n'a parlé de 15 millions différents à travers mom la tankou Somalie avec République démocrate du Congo déjà qui donc n'a pas rappelé j'ai dit qu'il était 23 mai qui sont passé là et bien t'ai démissionné américain qui mort à cause de gang yo même yo te fin tan yo embuscade pour dans zone Lison pour président Kenya et bien ça c'est raison ça lui même qui fait pays l'IA les préparer pour envoyer mission plus rapide et bien nous pas doué perdre monde nous pas doué perdre missionnaire n'a fait tout ça qu'on est et bien pour empêcher plus monde perdre la vie à cause dossier gang yo dans pays d'Haïti c'est ça président Kenya lui-même li ajouté sur l'autre bon pays États-Unis lui-même li bail Kenya statut à l'île à partir des organisations traité nord atlantique là lui-même qui l'ouvre chemin pour coopération sécurité puis série et bien les bail li accès tout pour acheter zam américain et bien qui plus sophistiqué et puis renforcer relation diplomatique li entre Nairobi avec Washington parler de capitale Kenya qui est Nairobi avec capitale les États-Unis qui c'est Washington pendant ça président lui-même li insister pour Kenya kembe yon politique étranger équilibrée qui pague aucune préférence particulière pour yon allié mondial c'est pas question de nous en face l'ouest ou bien nous en face l'est nous praler en avant c'est réponse ça William Ruto lui-même li baye BBC sous question ça et bien est-ce que États-Unis c'est allié privilégié li pour finir n'a fait connait que Kenya lui-même li proposer pour diriger tête mission multinationale qui vient pour soutenir sécurité dans pays d'Haïti et bien dans année qui s'est passé là Ariel Henry il était fait proposition selon recommandation Nations Unies était fait et bien pour rétablir l'ordre dans un pays qui dans les Caraïbes là n'a parlé de Haïti situation sécurité en Haïti lui-même li pa katan encore et bien c'est sa porte-parole Conseil Nations Unies pays États-Unis lui-même li déclaré président Joe Biden tout engagé là pour soutenir déploiement force mission ça et puis accélérer force là lui-même pour rentrer en Haïti plus vite que possible gagne une base qui pral recevoir yo et bien avec équipement tout qui pral construire pour faciliter collaboration avec États-Unis li presque fini li nan niveau 70% comme ça c'est ça président
lui-même lui déclare qui donc un président Ruto fait lui-même c'est ça il fait qu'on est un dossier qui n'est pas avec dossier force mission multinationale là et bien qui pas manqué trop pour la rentrer là malgré date la chaque lui vini lui toujours après qu'il aimait pourquoi il est là c'est long président Kenya lui-même lui pas manqué pile dans 3 semaines il était supposé rentrer malgré que nous connaît 23 pour 26 t'a bien rentré après délégation Kenya a fini arrivé mais au fait qu'on est gain bagage qui manquait qui donc force là lui-même lui toujours font tirer qu'il est là pour le capable venir dans 3 semaines sin ka quoi selon ça président Kenya lui-même li fait qu'on est sous dossier qui est pour avec un dossier force mission multinationale là aussi autorité yo lagué 58,000 et yo même yo recruté en pile là-dedans yo pour aller goumer en Ukraine quantité prisonnier dans la aussi réduit côté autorité yo même yo lagué 58,000 prisonniers année passée là et bien c'est ça la presse indépendant wish la li rapporté pendant journée hier vendredi à côté lui-même li réduction lui-même li continue à partir ou bien à cause des recrutements prisonniers pour envoyer au goumer dans pays Ukraine en tout yon a fait de 105,000 prisonniers joine libération yo entre 2022 avec 2023 d'après ça média yo rapporté côté yo cité chiffre qui paraît dans journal service prison dans pays là aussi qui donc là aussi continue là aussi le même dessin yo dans pays dans monde là lui même qui gain plus prisonniers côté lui même li gagne gros réseau prison avec quand travaux forcés dans tout territoire yo lui même qui gain 11 lait différents qui donc c'est pas n'importe petit pays d'ailleurs nous mettre compte c'est gros pays là aussi lui même li recruter prisonniers ça pour goumer dans Ukraine depuis 2022 les gagne Jevgeny qui Prigozhin lui même qui c'est défunt chef groupe Messene Wine lui même te commencé marcher dans colonie pénale et bien offre prisonnier yo pardon si yo même yo si vivre 6 mois sous champ bataille là et bien Prigozhin lui même qui te perdit la ville dans un accident avion année qui s'est passé là 2 mois après lui même il était fini diriger un revolte tout coûte contre quelques leaders dans l'armée ou cela et bien li te dit li même li recruter 50,000 prisonniers pour Wayne et bien ministre défense là aussi li même li continuer recruter prisonniers pour formation tempête Z et bien li yo dans Ukraine qui donc Ukraine qui continue à passer mauvais moment en bas mais là aussi et bien pourquoi li là qui libère pile prisonniers yon façon pour continuer bataille là avec pays Ukraine by Israel Lord et bien les même pour suspendre tout suite offensive militaire yo na Gaza n'a parlé de ICJ et bien vendredi hier a quitté 24 mai 2024 la tribunal Pirou placé Nations Unies by Lord pour Israël suspendre offensive militaire yo na Rafa et décision tribunal là les même li ka augmenté pression internationale yo pour ou là dans la guerre ça lui-même qu'il a depuis 7 mois à côté qu'Israël continue à bombarder. Tribunal l'a déclaré Israël doit suspendre tout de suite offensive militaire avec n'importe l'autre action dans Rafah et bien qui a fait la vie palestinien yo dans Gaza misérable et qui a détruit une partie dans population ou bien effacer les net qui donc Rafah lui-même c'est ville qui gagne majorité monde civil yo cal caché cal prendre refuge yo façon yo même pour inviter mourir en balague ça qui gagne entre Israël lui-même avec pays palestinien yo et bien pile pays dans monde là demandé pour Israël te camper bataille là sur ville ça yo ça qui va dire en fait mais pourquoi elle est là l'autre décision reprend yon façon pour voir comment la guerre si là lui-même li ta camper dans zone si là documenté ayam et bien Céline Dion lui-même li rivé yon bata pour chanter kembe la ville émotion avec Adlon Angeli lui-même qui dit qui gens li difficile pour vivre sans chanter et qui a lui-même li pousser tête li tout puis loin passer limite pour capable faire la ville parce que moi te manqué yo en pile peuple li dit comme ça même mon papa le suspendre moi pas pral abandonné li te dit et bien prime vidéo présenté documentaire comment yon lettre remet pour fanatique li yo et bien côté chanter lui-même li l'ouvre pour explorer sous passé li avec à présent li pendant y a révélé li avec yon maladie qui ra et bien li c'est syndrome moun rigide qui c'est EOPS yon condition neurologique qui pa ka guéri et bien qui détériorer contrôle musique li
Et puis, il dit tout qui a l'ilité pour continuer avec la vie en ta thérapie vocale, exercice avec médicaments. Soutina Menel, ils ont tourné, et bien, dans la pandémie haute, et bien, côté lui-même au soin attique personnel, dans le voyage, et bien, dans le passé temps avec dans le studio, enregistrement, en document, ça lui-même, il capturé la vie privée, c'est toi là, par chambre, ouais, avant, qui donc, les mêmes qui malade qui pas fin puis bon et qui gagne problème à chanter mais malgré ça il continue à gourmer pour faire fanatique et même content. L'autre dossier qui gagne pour avec ce dossier USCIS et bien pour dossier programme Biden là il gagne problème technique là pendant une hier selon en pile source nous capable faire confiance et plaisir utilisateur qui gagne compte dans USCIS il pas gagne accès avec aucune data dans compte si là et bien divers monde yo même yo fait connait nouvelle là côté yo rentrer sur compte USCIS et bien ou pas ka wè aucune application que ou même yo te fait gen l'autre tout qui dit yo rejoine yon série de applications et bien pendant gen l'autre qui pas ka monter dit tout et bien nan dossier qui gen pour avec vérification personnelle qui donc dans certains cas et bien là ou monter sur un compte USCIS et bien li monte comme si c'est un l'autre qui fait crier et bien ça veut dire et bien ou doit ajouter un nouveau qui donc c'est problème technique qui gagne dans dossier ka moun ki fait application n'a parlé de programme Biden na USCIS qui gen pour avec dossier immigration dans pays États-Unis dans pays d'Haïti et bien dossier pour premier ministre là nous rive nan fin après ban moun qui te fin pour tes pièces aller pour ta jeune place premier ministre là et bien pourquoi il a gagné Fritz Belize avec Jean-Alexis Didier Fizeme gen Gary Conil même qui c'est moun Matili moun Moi Jean-Charles ben c'est trois nan moun sa yo qui rete là nan dernier moun qui pral faire choix pour qui est-ce qu'a vini par premier ministre pays d'Haïti qui laisse parmi trois moun sa yo et bon t'a prémé pour t'a gagne comme conseiller dans conseil présidentiel transition et bien c'est trois PM qui est sous table là et bien dans un sondage qui fait côté yo réaliser qui choix peuple haïtien lui-même pour t'a premier ministre et bien il t'a supposé paraître dans jour là côté yo fait connait s'il pas paraître dans weekend là lundi il t'a supposé paraître et bien dans trois moun sa yo qui c'est Fritz Belize Jean-Alexis Didier Fizeme Gary Conil c'est trois derniers moun sa yo qui rete qui pral connait qui est qui pral paraître premier ministre pour diriger ou bien qui pour là comme conseiller présidentiel transition dans pays donc après bande qui te fin aller nèg yo commencer trier li descend et finalement trois finalistes et dans trois ça yo pral gagne yon seul Fritz Belize lui même qui baye am tomber et bien c'était lui même tout qui était déjà premier ministre bien rapide 30 avril et bien après coupe d'aval fait détail au bail Fritz Belize t'a pral tomber. Est-ce que nous capable d'en Fritz Belize comme premier ministre nous pour connaître mais dossier qui est pour avec tout nèg yo gen bois de banane yo Fritz Belize nèg petite Desalines yo la Gary Conil et bien pile par en pile New York Times et journal de yo fait qu'on est maté li t'a bail pression pour mettre monde parle n'a pas de Gary Conil et bien tout nèg qui des pouvoir dans pays d'Haïti mais chaque yo même yo gen branche pa yo qui donc bagay yo pour paraître clair dit tout là mais gen trois derniers finalistes pour premier ministre et qui t'a doit sortir en jodi a pour lundi là selon Smith lui même qui fait partie conseil présidentiel de transition dans pays d'Haïti. Dossier football et bien Coventina Dimone lui même tout le monde connaît Dael Dimone et bien qui c'est joueuse haïtienne qui d'avoir fait finale jeudi en face équipe Barcelone féminine malheureusement yo tombé 2-0 face à équipe barcelonaise là n'a pas applaudi Dimone lui même qui c'est haïtienne qui sorti loin pour faire finale là et bien malgré le joué match là oui mais Barcelone t'est dominé presque tout match là et Dimone qui d'avoir en neuf malgré après entraîneur là t'a pas fait jouer comme mi terrain mais moi-même qui ouais mi terrain a été plus bon malgré ça entraîneur lui-même qui connaît et bien équipe Lyon pas capable devant équipe Barcelone dans finale ça qui t'a fait Bilbao dans pays Espagne et bien équipe Barcelone féminine dans remporté 2-0 sous équipe internationale haïtienne n'a parlé de Coventina Dimone et bien qui perd dit finale là bon. De toute façon, c'est football. Eh bien, Dimone n'est pas arrivé champion qui t'a pris un gloire pour tout Haïtien et tout le monde t'a content remé. Oui. Dimone lui-même qui fait fierté, nous, mais malheureusement. Lyon lui-même li perdit finale là et bien c'est équipe FC Barcelone qui remporté Ligue des Champions pour une troisième fois. Donc équipe Lyon lui-même c'est l'équipe qui a plus qui déjà remporté titre ça 8 fois déjà et bien l'équipe barcelonaise là lui-même li prend pour une troisième fois et une deuxième fois consécutif dans ça qui gagne pour avec football féminin.
Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça vous aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regret même une seconde que tu t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.